Alors, pour cette première étape, je vais vous demander de répondre dans la description au questionnaire qui sera mis ou à la suite de la vidéo. La suite, ça sera un questionnaire pour voir un peu la suite de la vidéo, bien dans la description. Vous allez voir un lien qui va vous rediriger vers un questionnaire. Vous posez des questions sur ce que vous avez appris par rapport à cette première partie. Alors, pour cette première partie, ici, on n'a pas vraiment mis assez de code, on a mis juste un code principal pour l'ajout, la modification, et on a fait la mise en forme des formulaires. On a vu un peu les propriétés des différents objets, depuis aussi l'utilité de chaque objet, le label pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir dans tel ou tel élément qui est juste en face, les zones de test, les combo box, les couleurs, le backcolor, des propriétés des. Les commands boutons, les zones de liste déroulantes, les zones de liste simples, donc les list box. On a vu tous ces éléments-là. Je pense que vous êtes en mesure de répondre aux questions.